Mesdames, Messieurs, Padikarust, notre maire, M. Luc Carvounas, souhaite vous remercier pour votre présence si nombreuse ce matin en solidarité au peuple de la République de l'Artsakh et du peuple arménien agressé militairement depuis dimanche dernier avec déjà de très nombreuses victimes civiles. Au nom des Alfortvillaises et des Alfortvillais, des Arméniennes et des Arméniens, nous remercions aussi toutes les personnalités que M. Luc Carvounas aura à cœur de saluer dans son propos introductif, avec un merci chaleureux et particulier pour M. le Président de la République française, François Hollande. Je laisse tout d'abord la place à Rostom Kachikian, arménien, et Alfortvillais, qui va vous interpréter un morceau de Doudouk. Et j'ai plaisir à souligner qu'il a honoré les obsèques aux Invalides de notre regretté monsieur Charles Aznavour. À toi, Rostom. Thank you.
Je laisse la parole à présent à Monsieur le maire d'Alfortville, Monsieur Luc Carvenas. Monsieur le Président de la République, cher François Hollande, Monsieur le Ministre et Président du Territoire, maire de Créteil, mon ami Laurent Catala, Madame l'ambassadrice, chère Asmik Tolmadjian, Monsieur le haut représentant de l'Artsar en France, chère Ovanès Gevorkian, Madame la représentante de la maire de Paris, Anne Hidalgo, mon amie, chère Audrey Pulvar, Mesdames et Messieurs les parlementaires, notre nouvelle parlementaire élue brillamment dimanche dernier, notre députée Isabelle Santiago, nouvelle députée d'Alfortville et d'Itry, j'accueille, chère Sophie, la synchro parfaite, Sophie Tallier-Polian, sénatrice du Val-de-Marne, et j'ai vu Rachid Temal aussi, sénateur du Val-d'Oise, qui est parmi nous. Je veux avoir un petit salut particulier pour les représentants des partis arméniens d'Alfortville, qui sont membres de la majorité municipale. Je pense évidemment à Garo Kachikian et Saro Mardirian. Mesdames et messieurs les élus municipaux, départementaux, régionaux, monsieur le président du CCF, cher Mourad Papazian, cher Alfortvillais, cher Alfortvillais. Il y a une semaine seulement, et déjà en même temps, dimanche dernier, l'armée azérie a lancé une attaque meurtrière sans précédent contre la République du Artsar. Tout de suite, en solidarité avec le peuple du Artsar, j'ai fait mettre le drapeau arménien sur le fronton de l'hôtel de ville d'Alfortville. Ce matin, j'ai fait mettre le drapeau du Artsar en témoignage de notre solidarité. Les bombardements et le pilonnage intensif de son artillerie ont eu raison de la vie de nombreuses populations civiles, dont des enfants. À l'heure où nous parlons, et après une semaine de conflit, nous dénombrons déjà plus de 200 morts. Alors oui, comme le demande l'Union européenne, comme le demandent les présidents Macron, Poutine et Trump via le groupe de Minsk, nous appelons à un cessez-le-feu immédiat. Comme nous l'avions fait en 2016, nous sommes retournés manifester mardi dernier à tes côtés, Mourad, devant l'ambassade de l'Azerbaïdjan pour demander l'arrêt des conflits. Je veux avoir une pensée, nous en parlions, Monsieur le Président, tout à l'heure, pour nos deux journalistes français du journal Le Monde, gravement blessés jeudi dernier alors qu'ils recueillaient les témoignages de la population de Martouni au Artsar. Comme notre députée Isabelle Santiago l'a rappelé, ça a été sa première intervention comme députée d'interpeller aux questions d'actualité au gouvernement. Le gouvernement sur la situation en dénonçant avec force cette nouvelle agression azérie. Chère Isabelle Santiago, je veux te remercier au nom de tous les Alfortvillais et Alfortvillaises, des Vitriots et des Vitriotes. De plus, chers amis, je veux rappeler ici que le soutien politique et militaire inconditionnel de la Turquie à l'Azerbaïdjan porte une responsabilité majeure dans la gravité de la situation actuelle. Les Européens doivent arrêter d'être naïfs. Il est temps de prendre conscience, oui, je le dis, du danger que représente le dessein politique du sultan Erdogan. Comme nos amis du CCF le rappelaient récemment, au moment de la dissolution de l'Empire ottoman, il y avait deux tendances chez les jeunes Turcs. L'une libérale, qui prônait l'égalité des droits,
et qui voulait intégrer les minorités, et l'autre qui voulait le repli et la victoire d'un nationalisme turc. Et c'est malheureusement cette dernière tendance qui l'a emporté. Alors, la Turquie du président Erdogan a-t-elle encore sa place dans l'OTAN ? La Turquie d'Erdogan, nous sommes d'accord. La Turquie d'Erdogan, elle envoie des djihadistes syriens en Arménie. Elle menace la Grèce. Elle nous fait du chantage en instrumentalisant le malheur des migrants. Alors, je le dis ici avec force, cette Turquie-là ne peut pas avoir sa place au sein de l'Union européenne. Et je demande l'abandon simple de ce processus d'adhésion. Je veux le dire ici avec force, mes amis, vous me l'avez déjà entendu le dire, nos accords commerciaux ne peuvent pas être la boussole de notre diplomatie, sauf à renoncer à ce qui constitue notre ADN, le respect et la promotion des droits de l'homme, la paix internationale et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. La réaction de la France doit être immédiate et intraitable. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se saisir urgemment de ce conflit qui met en jeu toute la stabilité du Caucase. Comme vous le savez, que ce soit hier comme parlementaire, aujourd'hui comme maire, j'ai toujours eu à cœur de me tenir debout aux côtés de mes amis arméniens. En 2001, grâce notamment à l'action de mon ami René Rouquet, le génocide arménien fut enfin reconnu par la loi française. En janvier 2012, au Sénat, j'ai fait voter avec mes collègues socialistes une proposition de loi visant à pénaliser le négationnisme du génocide arménien. Cette loi ayant été malheureusement cassée à l'époque par le Conseil constitutionnel, Monsieur le Président, je sais que le combat continue et je sais que nous pouvons compter sur notre nouvelle députée pour reprendre le flambeau. En avril 2015, Monsieur le Président de la République, nous avions commémoré, c'était une vraie fierté, à vos côtés, le centenaire du génocide des Arméniens. Nous nous sommes aussi déplacés en Arménie à plusieurs reprises pour développer plus encore nos liens d'amitié et nos partenariats. En juillet 2015, ici à Alfortville, nous avons inauguré le groupe scolaire Kevork Arabian en présence des deux premiers ministres français et arméniens. En 2017, nous avions manifesté aux côtés de Mourad Papazian au Trocadéro en soutien aux libertés du peuple du Haut-Karabakh. Et au mois d'avril de la même année, je me souviens du bel hommage que nous avons rendu aux résistants de l'Artsar aux côtés de l'ambassadeur d'Arménie. En 2017, j'ai voulu qu'Alfortville signe sa charte d'amitié avec Pertzor ou Artsar. Et n'en déplaise au peuple azéri qui utilise des avocats avec le Quai d'Orsay qui nous met à nous, les collectivités territoriales, beaucoup de pression, l'amitié entre les peuples vaut bien plus que quelques procédures préfectorales. Je ne veux plus avoir à me rendre au tribunal administratif parce que je défends l'amitié entre deux peuples. Pourquoi ? Pour faire plaisir à Erdogan, faire plaisir à Aliyev, y aurait-il un délit de solidarité ? Eh bien, j'assume notre charte d'amitié avec Pertzor. J'assume de demander à la France de reconnaître enfin la République du Artsar. Et je veux lancer un appel à l'État. Laissez-nous assurer l'envoi de colis de solidarité au Artsar. Arrêtez de les intercepter. Pensez aux familles et aux enfants qui attendent notre aide. Je remercie vous toutes et vous tous qui êtes venus si nombreuses et nombreux. Je sais que c'est un message que nous envoyons au-delà d'Alfortville, au-delà du Val-de-Marne, vers le peuple arménien et le peuple du Artsar. Vive nos républiques, vive la France, vive l'Arménie, vive la République du Artsar. J'appelle à présent Madame l'adjointe à la mairie de Paris, Audrey Pulvar, représentant Madame Anne Hidalgo. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être si nombreuses et nombreux ici pour dire notre soutien à l'Arménie, pour dire notre soutien aux Arméniens et pour dire notre soutien, bien sûr, aux Français arméniens, dont beaucoup d'entre vous sont aujourd'hui ici présents et présentes. Quelques mots pour vous dire, pour vous redire le soutien indéfectible d'Anne Hidalgo aux Arméniens et aux Français d'Arménie,
Son soutien qui s'est manifesté déjà à plusieurs reprises et encore aujourd'hui dans les colonnes du JDD, dans cette tribune qui est signée par 170 responsables politiques de plusieurs familles politiques, ce qui montre à quel point la cause arménienne est chère au cœur de beaucoup et de beaucoup de responsables politiques français. Le peuple arménien a déjà beaucoup souffert, sa diaspora également. Ils ont beaucoup souffert du fait de régimes turcs qui n'ont cessé, de régime en régime, de poursuivre leurs persécutions, avec bien sûr le génocide, puis des persécutions qui ont continué, y compris sur le territoire français, y compris au-delà des frontières de l'Arménie et au-delà des frontières des territoires disputés par la Turquie à l'Arménie. Aujourd'hui, manifestement, même si tout cela n'est pas officiel, l'axe Ankara-Bakou se porte bien, s'entraide et organise de nouveau des persécutions, des bombardements, des tueries contre les Arméniennes et les Arméniens. Cela, évidemment, doit cesser. Et la position de neutralité de la France, manifestement, n'est plus tenable. Cette neutralité bienveillante qui voudrait mettre autour de la table des gens de bonne volonté, responsables, désireux de faire la paix et de la trouver, manifestement, elle a montré ses limites. Il n'y a pas de fatalité à ce qui se passe aujourd'hui dans le Haut-Karabakh. Il n'y a pas de Haut-Karabakh compliqué. Il y a la volonté politique ou la non-volonté politique. Et il me semble qu'aujourd'hui, la volonté politique porte un nom, se résume en un mot de la langue française, le mot reconnaissance. Merci à toutes et tous. À présent, Madame Isabelle Santiago, députée du Val-de-Marne et vice-présidente du Conseil départemental du Val-de-Marne, va vous lire le message de Monsieur le Président du Conseil départemental du Val-de-Marne, Monsieur Christian Favier, qui malheureusement s'excuse de ne pouvoir être parmi nous. Comme vous le savez, j'ai pu ce week-end devenir la première femme parlementaire de la 9e circonscription et d'avoir l'honneur et l'émotion de poser ma première question au gouvernement qui évidemment demandait un cessez-le-feu immédiat, mais rappelait au gouvernement aussi que quand je suis allée au Artsar, parce que nous y sommes allés, j'y voyais des visages d'enfants, de femmes et d'hommes. Si je vous dis ça, c'est qu'en même temps, je rentre mes premiers pas dans l'histoire qui nous est commune à Alfortville. Dès mardi, j'avais déjà des pressions par rapport à ma première question au gouvernement, alors que je suis toute jeune parlementaire. J'ai dit que je ne céderais sur rien et que je suis aux côtés du peuple arménien. Et j'ai pas bougé une ligne de ma question au gouvernement, alors que dès le matin, on me demandait de commencer à bouger un petit peu les termes. J'ai dit non, et je ne céderai jamais. Aujourd'hui, du coup, je prends la parole pour Christian Favier. Jusqu'à demain matin, en délibération, je suis encore vice-présidente du département. Et donc, c'est à ce titre que je vais lire le message. Oui, je cumule. mais ça ne va pas durer. Donc, je vais lire la phrase, le message de Christian Favier, qui d'ailleurs, dès lundi, avait fait un communiqué de presse en soutien au Artsar et évidemment au peuple arménien. Donc, retenu par d'autres obligations, je ne peux être présent aujourd'hui à vos côtés. Je tiens à m'associer à cette initiative organisée par la ville d'Alfortville et son maire Luc Carvounas, ainsi que les associations culturelles et de citoyens d'origine arménienne. J'exprime ma solidarité envers le peuple arménien et rejoins l'appel de la paix qui a été lancé par de nombreux Val-de-Marnais d'origine arménienne. Le peuple arménien a fait la démonstration de son attachement à la liberté et à la démocratie
au prix de sacrifices immenses. La France doit agir pour préserver ses principes au Haut-Karabakh. Signé Christian Favier, président du conseil départemental qui est à vos côtés. J'appelle à présent M. Mourad Papazian, co-président du CCAF, mais je voudrais toutefois excuser M. Arat Tohanian, également co-président du CCAF, de ne pouvoir être parmi nous pour des raisons personnelles. Cher Luc, un énorme merci d'avoir pris l'initiative d'organiser aujourd'hui ce rassemblement pour la paix en soutien à l'Arménie et au Haut-Karabakh. Merci encore d'avoir fait ce geste-là. Monsieur le Président de la République, Madame la députée, Madame l'adjointe à la maire de Paris, Madame l'ambassadrice d'Arménie, Monsieur le représentant de la République du Haut-Karabakh, chers élus, chers amis, merci d'être là aujourd'hui à ce rassemblement qui intervient 8 jours après l'ouverture des hostilités de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. Et aujourd'hui, merci d'être là tous ensemble pour soutenir la paix. Merci d'être là tous ensemble dans l'union à l'appel d'un maire de la République pour soutenir l'Arménie et le Haut-Karabakh. Merci d'être là, chers amis, pour soutenir les soldats de l'Arménie, les soldats du Haut-Karabakh, les milliers de volontaires qui sont allés défendre les frontières. Ils avaient 20 ans en 1988, lorsque l'Azerbaïdjan a organisé les massacres et la guerre contre l'Arménie. Ils avaient 20 ans en 1994, lorsqu'un cessez-le-feu a été signé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sous l'auspice des coprésidents du groupe de Minsk. Ils avaient 20 ans en 2016, lorsque l'Azerbaïdjan a entamé cette guerre des 4 jours. Ils ont 20 ans aujourd'hui encore, et ce sont ces jeunes de 20 ans qui tombent tous les jours sous les balles de la dictature azérie, sous les balles de l'armée criminelle de l'Azerbaïdjan. Et je voudrais tous ensemble, que nous rendions un hommage, que nous applaudissions, que nous acclamions nos soldats. Ce sont les soldats de la liberté. Ce sont les soldats de la démocratie. L'Europe et le monde ne se rendent pas compte que ces soldats défendent la démocratie contre la dictature de l'Azerbaïdjan et contre la dictature de la Turquie. Il est temps aujourd'hui de les acclamer. Debout, tous ensemble. Debout, tous ensemble. Chers amis, dans un rapport de force inégal, mais qui était déjà inégal en 1988, déjà inégal en 1994, déjà inégal en 2016, aujourd'hui, dans un rapport de force totalement inégal, où l'armée azerbaïdjanaise surarmée, dont le budget équivaut à celui de la République d'Arménie, cette armée, soutenue par 400 djihadistes supplétifs de l'armée turque, soutenue par 150 experts d'Erdogan qui sont allés sur place en Azerbaïdjan pour piloter la guerre contre l'Arménie. Cette armée ne doit pas gagner. L'Azerbaïdjan
ne doit pas gagner. Les soldats de la liberté, arméniens et Rarabartsi, qui défendent la démocratie, qui défendent leur terre, qui défendent la paix, combattent l'armée de l'Azerbaïdjan, alors que l'armée de l'Azerbaïdjan, elle, combat les populations civiles, bombarde Stepanakert, bombarde Majdouni, bombarde les villages, tue des centaines et des centaines et des centaines de populations civiles. Il faut que tous ensemble, nous disions stop à Aliyev, stop à Erdogan, stop à Aliyev, stop à Erdogan, tous ensemble. Chers amis, Monsieur le Président de la République, Madame l'adjointe de la maire de Paris, mon cher Luc, chers élus, je n'ai jamais été aussi pessimiste qu'aujourd'hui, je veux vous le dire. L'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie, veut pousser son avantage. Aujourd'hui, ne nous mentons pas, ne nous voilons pas la face. La situation est très dure sur le terrain, extrêmement dure, extrêmement difficile, insupportable. L'Azerbaïdjan et la Turquie veulent pousser leur avantage jusqu'à l'anéantissement des Arméniens du Rarabar, mais ce n'est pas tout. Jusqu'à l'anéantissement des Arméniens du Rarabar pour récupérer le Rarabar, mais ce n'est pas tout. Pour récupérer également le sud de l'Arménie, c'est leur objectif. C'est le plan pan-turc depuis le début du XXe siècle. C'est ce plan pan-turc qui a présidé au génocide des Arméniens en 1915. Et j'ai l'impression, pardonnez-moi, mais j'ai l'impression qu'en 1915 et en 2020, il n'y a pas de différence. Il y avait des déclarations en 1915. Il y a des déclarations en 2020, oui, c'est vrai. Des déclarations bienveillantes en 1915. Des déclarations bienveillantes en 2020, oui, c'est vrai. C'est important. Et je veux saluer la tribune qui a été publiée aujourd'hui et qui a été signée par 173 élus dans un consensus politique inédit dans le JDD. Merci à ces élus. C'est important. Je voudrais saluer également la position de la France qui est allée très loin pour pointer du doigt l'Azerbaïdjan comme agresseur, pour pointer du doigt la Turquie comme complice. Mais c'est bien, mais ce n'est plus suffisant. Nous sommes à un moment de la guerre. Ça fait 8 jours aujourd'hui. Nous sommes à un moment de la guerre où tout peut se passer. Aujourd'hui, chers amis, on voit de quelle manière les soldats sont valeureux, sont courageux. Ce sont nos héros, mais ce ne sont pas seulement nos héros. Ce sont les héros de la démocratie. L'Europe ne se rend pas compte que ce sont les héros de l'Europe. Le monde ne se rend pas compte que ce sont les héros du monde. Parce que s'ils cèdent, s'ils tombent sur le terrain, il y aura sur place la prise en main de la région par des dictatures. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Non, ce n'est pas ça qu'on veut. Alors je vous le demande, aujourd'hui, ça suffit. Depuis 1994, l'Azerbaïdjan repousse toutes les propositions du groupe de Minsk, y compris des propositions de paix qui ont été faites par le président de la République, François Hollande, en 2015 et en 2016. L'Azerbaïdjan les a toujours repoussées. L'Azerbaïdjan refuse d'entendre l'appel des 3 coprésidents du groupe de Minsk. L'Azerbaïdjan refuse d'entendre l'appel du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Azerbaïdjan refuse toute tentative de paix, toute médiation. Alors ça suffit. Maintenant, il n'y a qu'une seule solution. L'intervention militaire sur place de forces d'interposition pour faire la paix au Rarabakh, pour imposer la paix au Rarabakh. On ne va pas laisser en 2020 l'Arménie et les Arméniens se faire massacrer. Non, nous ne sommes pas d'accord.
Merci Mourad. J'appelle à présent Monsieur le représentant de la République du Artsakh, Monsieur Ovanes Gevorkian. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre, Madame la députée, mes félicitations. Madame la Sénatrice, Madame l'Adjoint au maire de Paris, Madame l'Ambassadeur, pardon. Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le Co-président du CCAF, Monsieur le maire, cher Luc, cher ami, un très grand merci du fond du cœur d'avoir hissé aujourd'hui le drapeau de l'Artsakh, de la République d'Artsakh, ici à Alfortville. Ce drapeau incarne, tu le sais, les 30 dernières années, l'histoire des 30 dernières années des Artsakhiotes. Leurs rêves, leurs revendications, leur travail acharné, leurs souffrances, leurs défaites, leurs massacres, comme ça a été rappelé par Mourad Papazian, mais aussi leur espoir que demain, notre République sera enfin reconnue, que notre droit à l'autodétermination, synonyme le droit à l'existence, sera audible. Nous avons toujours voulu être dans la légalité. Pour le faire, nous avons attendu de 1988, l'année où nous avons commencé notre revendication, jusqu'à 1991 pour déclarer notre indépendance, pour rester dans la légalité. Nous avons renoncé à notre rêve le plus cher de nous réunifier avec la mère d'Arménie pour rester dans la légalité. On nous a dit, pour être audible pour la communauté internationale, il faudrait que vous soyez porteurs des valeurs universelles, de la démocratie. C'est ce que nous avons fait depuis 30 ans. Nous sommes... J'ai l'impression que nous sommes restés face à une incompréhension de la communauté internationale. On nous a dit pour être audible, il fallait apprendre des langues, crier votre droit à l'existence en français, en anglais, en espagnol. C'est ce que nous avons fait. Nous avons appris des langues et nous avons crié notre droit et nous n'avons pas été audibles. Aujourd'hui, mon peuple résiste. Il résiste parce qu'il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix, une fois encore, parce qu'il s'agit d'un droit à l'existence. Le Haut-Karabakh a des montagnes hautes et nous défendons nos montagnes. Nous défendons pas seulement un territoire. Nous défendons nos maisons. Nous défendons les tombes de nos ancêtres. Nous défendons une histoire. Nous défendons ce que nous avons pu créer sur ce territoire pendant 3000 ans d'existence, des églises, des monastères, tout ce que nous avons. Nos montagnes étant hautes, après ces hautes montagnes, il y a le ciel, il n'y a pas d'échappatoire. Donc nous allons résister. Nous allons résister et rester en vie, sans doute. Mais je voudrais dire un grand merci pour ce drapeau. Car je sais que nous sommes dorénavant audibles. Nous sommes audibles pour la communauté internationale. Nous sommes audibles ici à Alfortville. La communauté internationale, pour moi, commence aujourd'hui à Alfortville. Commence en France. Et pour ce drapeau, pour l'existence de mon peuple, pour le droit à l'existence, je vous promets, nous allons résister. Bravo. Merci, Monsieur Gevorkian. J'appelle à présent Son Excellence, Madame l'Ambassadeur d'Arménie en France, Madame Asmik Tolmadjian.
Monsieur le Président de la République, Monsieur le maire d'Alfortville, cher Luc Carvounas, très cher ami, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame l'adjointe à la maire de Paris, Monsieur le représentant de la République d'Artsakh, cher Ovanès Gevorkian, Monsieur le coprésident du CCAF, cher Moulad Papazian, Révérend Père, Mesdames et Messieurs les représentants des associations arméniennes d'Alfortville, très chers amis. C'est à une vraie guerre que notre peuple en Artsakh fait face depuis une semaine. Une guerre atroce, accompagnée des bombardements civils, des bombardements des populations civiles. Aujourd'hui, c'est un combat existentiel que nous menons. C'est un combat entre la vie et la mort. C'est un combat pour assurer la survie de notre peuple sur sa terre ancestrale. C'est une guerre inégale, car elle est imposée par deux États, l'Azerbaïdjan et la Turquie. Deux États, certes, qui revendiquent de faire partie de la même nation, qu'ils revendiquent depuis toujours, mais aussi deux États qui sont nourris par la même haine contre l'Arménie, par la même obstination de l'extermination physique des Arméniens. Le combat pour la reconnaissance du génocide arménien et le combat pour la liberté de l'Artsakh est le même combat. Car comme en 1915, aujourd'hui encore, en 2020, comme Mourad Papazian l'a rappelé, c'est la survie de notre peuple qui est en jeu. Comme en 1915, il y a 105 ans, c'est encore notre peuple est soumis à la menace d'extermination physique. Aujourd'hui, ce rassemblement à Alfortville est symbolique à plusieurs reprises. Un très grand merci, cher Luc Carvounas, pour l'initiative de ce rassemblement. Alfortville est l'une des premières villes en France qui a accueilli les premiers rescapés, les premiers descendants des rescapés du génocide arménien. C'est autour des Arméniens, c'est à travers et avec les Arméniens que la ville d'Alfortville s'est construite. Après, la ville d'Alfortville a joué aussi un rôle énorme dans le long combat de la reconnaissance du génocide arménien par la France. Et j'aurai bien sûr une pensée très chaleureuse pour René Rouquet. La ville d'Alfortville a eu aussi son rôle important pour soutenir la population en Artsakh. Un grand merci encore, cher Luc Carvounas. Aujourd'hui, en ces moments particulièrement éprouvants, difficiles pour notre peuple, je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à la France, au peuple français tout entier, à ses élus, sénateurs, députés, maires, pour leur combat de très longue date, pour leur fidélité à l'amitié franco-arménienne. Vos nombreux témoignages d'amitié, de soutien fort, témoignés encore à l'Artsakh pendant les derniers jours, la tribune signée par 173 de signataires de personnalités en France, est un message très fort d'amitié, de soutien, qui est très apprécié. Monsieur le Président de la République, votre présence aujourd'hui parmi nous à ce rassemblement républicain nous touche beaucoup et nous honore. L'Arménie ne dira jamais assez à la France, n'exprimera jamais assez sa reconnaissance à la France pour le soutien qu'il nous apporte depuis l'indépendance de l'Arménie, pour renforcer l'amitié franco-arménienne. Et aujourd'hui encore, le message de la France, il est très fort. La voix de la France en soutien de l'Arménie et de l'Artsakh est extrêmement fort. Le message qui a été porté par le président de la République française, Emmanuel Macron, pour mettre en garde, pour apporter son amitié à l'Arménie, pour mettre en garde l'Azerbaïdjan contre toute tentative de reconquête du Haut-Karabakh, mettre en garde de la Turquie contre son soutien inconditionnel, politique et à la fois militaire, notamment par l'implication aussi des djihadistes en Artsakh, est très apprécié, très précieux pour nous. Bravo !
l'heure elle est grave. La guerre qui nous est imposée est atroce. Le combat que nous menons est un combat existentiel. Et ce combat, nous sommes condamnés à l'emporter. Meng harteluenk, sireli harinak itsnej. Et bien sûr, vive la France, vive l'Arménie, vive l'Artsakh et vive l'amitié franco-arménienne. Merci. Merci, Madame l'Ambassadeur. Avant de laisser la parole à Monsieur le Président de la République, François Hollande, je vous invite à écouter la chanteuse Yerso, arménienne, arménienne et alfortvillaise également, qui va vous interpréter une chanson dédiée à l'Artsakh. Mesdames, merci.
Merci Erso, merci à vous et merci aux musiciens. À présent, j'appelle Monsieur le Président de la République française, François Hollande, et le remercie encore de sa présence parmi nous. Madame l'ambassadrice de la République d'Arménie, Mesdames, Messieurs les élus ici présents, Mesdames, Messieurs les représentants des Arméniens de France, Monsieur le maire, cher Luc Carounas, ce n'est pas la première fois que je viens à Alfortville. Alfortville est un symbole de la cause arménienne. Avec Joseph Franceschi, avant moi, René Rouquet, aujourd'hui Luc Carounas, nous avons partagé tant de rassemblements ensemble pour obtenir la reconnaissance par la France du génocide arménien, ce qui fut fait par une loi à l'initiative du groupe socialiste de l'Assemblée nationale de l'époque et qui permet aujourd'hui à la France de parler encore plus fort au nom du monde parce qu'elle fut l'une des premières nations à reconnaître publiquement le génocide. Ensuite, je suis venu à Alfortville pour que nous puissions ensemble permettre la pénalisation des négationnistes du génocide. Nous ne sommes pas encore parvenus à nos fins, et même comme président de la République, j'avais voulu qu'une loi puisse être votée par le Parlement, ce qui fut fait. Hélas, nous n'avons pas pu aller jusqu'au bout, faute d'un Conseil constitutionnel encore rétif pour aboutir à cette pénalisation. Aujourd'hui, je suis ici avec vous face à une situation d'une très grave ampleur qui ne concerne pas simplement l'Arménie, mais toute la région du Caucase et au-delà même le monde entier. C'est vrai que il y a eu depuis des années un certain nombre de conflits sur ce qu'on appelait la ligne de contact, ce qui d'ailleurs a conduit beaucoup d'entre vous à vous mobiliser chaque fois qu'il y avait des risques de déclenchement de conflits et des morts qui étaient hélas constatés. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un conflit sur une ligne de contact. Nous ne sommes plus devant un certain nombre d'incidents très graves et qui pouvaient concerner des soldats. Nous sommes devant une guerre. Oui, une vraie guerre. Cette guerre, elle a été déclenchée par l'Azerbaïdjan. Elle n'a pu être engagée et poursuivie qu'avec l'appui, le soutien et l'intervention de la Turquie. Turquie qui a fourni les armes, les matériels et même maintenant les supplétifs, avec des combattants syriens, libyens, qui ont transité par la Turquie. Cette guerre, elle peut dégénérer dans l'ensemble de la région, compte tenu de ce que nous savons de notre géographie, ce qui n'est pas la spécialité partagée par tous les Français, mais que nul ne peut ignorer. Autour de l'Arménie, il y a l'Iran, il y a la Russie, nous avons des puissances qui peuvent, à un moment aussi, être partie prenante de ce conflit. Aujourd'hui, une étape a été franchie, avec des bombardements sur les populations civiles. C'est bien plus qu'une escalade. C'est une déstabilisation de tout le Caucase. La France a une responsabilité particulière. Elle fait partie de ce que l'on appelle le groupe de Minsk, qui avait été mis en place en 1992 pour chercher une médiation, dans un conflit qui dure donc depuis 30 ans. Durant ma présidence, j'avais travaillé avec les deux présidents de l'époque, enfin, un est toujours là, président azerbaïdjanais et président arménien, pour trouver une solution durable. Je les avais même réunis à l'Élysée, à Paris.
et nous étions proches d'un accord. Il n'avait pas pu être signé sous la pression de la Turquie et aussi, reconnaissons-le peut-être, de la Russie, car tous ont intérêt, les deux, à un conflit gelé dans cette région pour garder leur influence. Mais nous ne sommes plus là, parce qu'il ne s'agit plus simplement de se disputer quelques hectares dans le cadre d'un accord. Il s'agit là d'une guerre qui est engagée pour conquérir un territoire. La France doit donc, compte tenu de sa responsabilité, compte tenu de sa présence dans le groupe de Minsk, avec la Russie et les États-Unis, imposer un cessez-le-feu et obtenir de la Turquie la fin de son intervention et de prendre des sanctions internationales en cas de manquement. Le Conseil de sécurité doit également adopter une résolution qui doit être contraignante pour que toutes les parties s'engagent à ce cessez-le-feu. Il y a aussi des mesures qui devront être prises, non seulement sur l'Azerbaïdjan, si ce pays ne voulait pas entendre raison, mais sur la Turquie. Parce que c'est toute la stratégie de la Turquie qui est aujourd'hui mise en cause, et c'est aussi sa présence dans l'OTAN qui doit être interrogée. Comment l'OTAN, c'est-à-dire une alliance fondée sur la solidarité automatique en cas d'agression, comment l'OTAN peut accepter encore qu'un de ses pays membres, en l'occurrence la Turquie, puisse en menacer un autre en Méditerranée, je parle de la Grèce, en déployant des navires sur des zones maritimes controversées. Comment l'OTAN peut-elle admettre qu'un de ses membres, en l'occurrence la Turquie, occupe une partie du territoire syrien et attaque des positions de Kurdes qui ont été nos alliés, les alliés de la France, lorsqu'il s'est agi d'éradiquer Daesh? Comment l'OTAN peut-elle tolérer que la Turquie soit présente en Libye et contribue au chaos dans ce pays, avec cet atroce commerce des réfugiés? Comment l'OTAN peut-elle justifier que la Turquie achète des missiles à la Russie en contravention avec toutes les règles de cette organisation? Comment l'OTAN peut-elle aujourd'hui laisser la Turquie être partie prenante d'une guerre dans le Caucase et utiliser des moyens militaires qui tuent chaque jour non seulement des militaires, mais qui tuent des civils, qui bombardent des villes et qui provoquent des réfugiés en grand nombre et des déplacés? Bref, jusqu'à quand la Turquie va-t-elle déployer ses interventions? Aujourd'hui, c'est l'Arménie, c'est le Haut-Karabakh, mais demain, ce peut être aussi les Balkans si nous ne faisons rien. Comment pourrait-on laisser la Turquie, en toute impunité, rester membre de l'Alliance Atlantique, une alliance qui ne porte plus son nom et qui est fondée sur les libertés et la démocratie? Le temps donc, et je m'exprime comme celui qui a dirigé la France pendant 5 ans, a entretenu des relations avec la Turquie, comme avec tous les pays qui participent de la communauté internationale. Oui, je le dis aujourd'hui, le temps d'une clarification est venu. Elle doit venir de l'Europe et aucun chantage ne peut être exercé sur l'Europe au nom de la cause des réfugiés. D'ici là, et je salue l'intervention et l'initiative du maire d'Alfortville, l'opinion nationale d'abord, l'opinion publique internationale doit être mobilisée. Votre présence n'est pas simplement symbolique, n'est pas simplement une solidarité de circonstances, n'est pas simplement un sentiment que vous éprouvez face aux difficultés, aux épreuves que traversent l'Arménie et le Haut-Karabakh.
Votre présence est aussi un appel à tous les Français, qui ne sont pas forcément au fait de la situation dans le Caucase ou en Arménie. Tous les Français qui doivent être conscients que ce qui est en cause va bien au-delà de ce que vous ressentez comme Arménien de France. Oui, ce qui est en cause, c'est la stabilité, c'est la paix, c'est la sécurité. Et donc, votre solidarité à l'égard de ce peuple martyr, les Arméniens, elle doit être aussi une solidarité pour le droit international et son respect, mais aussi une solidarité pour que nous puissions vivre en paix tous ensemble et dans la sécurité. Le terrorisme se nourrit de ces conflits qui ne sont jamais réglés, de ces nationalismes qui dérivent et qui finalement aboutissent à convaincre des citoyens qu'ils ne sont pas simplement membres de la République, mais fidèles à une autre patrie. Ici, il n'y a que des Français, Françaises qui veulent vivre en liberté et qui sont solidaires du peuple arménien, mais qui sont surtout attachés à la liberté. Ce n'est pas un conflit localisé sur lequel vous vous exprimez aujourd'hui les uns et les autres, avec passion, avec foi et avec conviction. C'est une affaire internationale majeure. La Turquie du président Erdogan veut savoir jusqu'où elle peut aller. Elle nous teste un peu partout. Eh bien, je vous le dis, si vous êtes là, si nous sommes nous aussi là, la Turquie d'Erdogan n'ira pas plus loin. Elle s'arrêtera là. Voilà pourquoi la France, l'Europe et, j'espère, la communauté internationale porteront un coup d'arrêt. Un coup d'arrêt pour la paix, pour la reprise des négociations. Et si négociation, il doit y avoir, et il y aura négociation, pour rechercher un accord durable, les représentants du Haut-Karabakh devront être associés à cette discussion et à cet accord de paix. Voilà mon message. J'ai voulu peser mes mots, car je ne parle pas simplement comme citoyen. J'ai voulu peser mes mots pour que vous compreniez bien que ce qui est aujourd'hui engagé va bien au-delà de l'Arménie. Et que si notre amitié pour l'Arménie ne fait pas de doute, ce qui nous engage, ce qui nous mobilise, ce qui nous fait vivre, nous, Françaises et Français, c'est une cause qui est plus grande encore. C'est la liberté, la paix et la sécurité. Vive l'Arménie, vive la France et vive l'amitié entre la France et l'Arménie. Merci, Monsieur le Président de la République, Monsieur François Hollande. Eh bien, à présent, la cérémonie se termine. Je vous remercie encore à tous de votre présence. Nous allons tous ensemble écouter les hymnes de l'Artsakh, de l'Arménie et de la France. Merci à tous.
Merci à tous.